c'est que l'approche n'est pas du tout la même. Ils n'ont pas besoin d'aimer le bien, il faut qu'ils soient pratiques et qu'ils répondent à leurs attentes, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Mato Hatton, j'ai 21 ans et je suis actuellement en alternance chez Subterciaire pour faire un bachelor en responsable en affaires immobilières. Je travaille pour la société Orpi Pro, je fais du B2B et je vais vous expliquer mon métier aujourd'hui. À quoi ressemble ton quotidien ? Le métier consiste à, comme dans une agence immobilière dans le résidentiel, rentrer du mandat, accompagner les clients dans la recherche et bien sûr signer des affaires. Chaque agence travaille à sa manière. En ce qui concerne la mienne, Orpi Pro, on accorde beaucoup d'importance à la prospection physique, taper aux portes des sociétés pour se présenter, mettre en avant les biens sur lesquels on est mandaté et puis tout simplement recueillir de nouvelles recherches. Enfin, en ce qui concerne les biens, on travaille sur des locaux d'activité, des locaux commerciaux, des bureaux ou encore des terrains. En quoi les clients sont différents en B2B qu'en B2C ? Ils n'ont pas besoin d'aimer le bien, il faut qu'ils soient pratiques et qu'ils répondent à leurs attentes, tout simplement. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'approche n'est pas du tout la même. Lors d'une visite, nos mots-clés sont surtout une porte sectionnelle, bardage double pot ou encore parler de la hauteur sous plafond. Pas pour autant que la visite sera moins sexy, parce qu'en fait, on va pouvoir parler des axes routiers proches, des commodités proches ou encore des aménagements qui peuvent être faits dans le local, comme des bureaux ou encore un espace showroom. Quel est ton parcours ? Avant de faire l'immobilier, j'ai fait 2 ans de bâtiment en BTS dans l'alternance, ce qui m'a permis de comprendre la technicité du bâtiment pour pouvoir ensuite, aujourd'hui, le commercialiser. Plus tard, j'aimerais me diriger vers l'asset management qui permet de développer un portefeuille de biens auprès d'un propriétaire, ce qui va permettre de voir d'autres aspects de l'immobilier comme la fiscalité.